en ce dimanche et bienvenue donc à On refait la semaine. On a le plaisir, on a l'honneur, on a le bonheur aussi de vous accueillir, cher Alain Finkielkraut. Tous nos auditeurs vous connaissent, vous apprécient d'ailleurs, pour de multiples raisons. D'abord parce que vous êtes un des derniers véritables esprits libres de la France contemporaine. Ensuite parce que vous n'avez jamais failli dans votre défense raisonnée d'Israël contre ses différents réprobateurs. Et enfin parce que vous pratiquez, on va le voir encore une fois avec nos amis aujourd'hui, une véritable politique de l'amitié. Vous croyez dans la conversation civique. C'est pour ça qu'on est très heureux que vous soyez aujourd'hui avec nous ce dimanche, Alain Finkielkraut, sur les ondes de Radio J. Pour m'accompagner dans l'exercice de maïeutique que nous allons vous proposer pendant près d'une heure, Brice Couturier, qui est essayiste, journaliste à France Culture, et notre ami Gil Michaeli. Bonjour à tous. Bonjour. Les deux. Vous êtes toujours directeur général du magazine Causeur ainsi que du magazine Conflit. Tout ça n'a pas changé. Les titres sont inamovibles en France, naturellement. Alors pour commencer, on va tout de suite évoquer naturellement votre livre événement que nous avons, je crois, tous les trois beaucoup apprécié, Alain Finkielkraut, à la première personne. Vous brisez la glace. C'est une des premières fois, au fond, depuis Le Juif imaginaire. On y reviendra sans doute avec Gilles et avec Brice. Mais je vais commencer par une question qui est abordée sans être centrale à la première personne. C'est la question qui divise les esprits depuis quelques semaines dans la société française, la question de la laïcité, 30 ans exactement après la fameuse affaire de Creil dont vous fûtes un des protagonistes. Le président de la République vient de rendre son verdict. Le port du voile dans l'espace public n'est pas l'affaire de l'État, explique Emmanuel Macron. Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. C'est ça la laïcité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. Vous êtes d'accord, Alain Finkielkraut ? Écoutez, Emmanuel Macron, lors d'un entretien il y a un ou deux ans, a dit que le voile avait quelque chose de contraire à notre idée de la civilité. Il est vrai que le voile dans l'espace public n'est pas l'affaire de l'État, mais je trouve qu'à travers cette déclaration, Emmanuel Macron recadre son ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, car celui-ci a osé dire « le voile en soi n'est pas souhaitable de notre société ». Il ne militait pas pour une loi nouvelle, pour une interdiction jusque dans l'espace public. Il émettait, à mon avis, une notion de bon sens qui va très au-delà de la laïcité. La laïcité, c'est un principe de neutralité. Là, il s'agit de toute autre chose. C'est même toute autre chose que la République, de quelque chose de plus profond. Lié aux mœurs françaises. Il s'agit de la France. De la France, oui. De la France. C'est pourquoi, d'ailleurs, 71% des personnes interrogées se sont dit d'accord avec Jean-Michel Blanquer, et ces personnes interrogées venaient de tous les partis. Il y en a même une grande partie qui adhérait à La République en Marche. Oui, il est question de la France, si vous voulez. C'est-à-dire que autre chose que la France est possible en France, bien sûr, mais jusqu'à un certain point. Si le voile se développe massivement, s'il y a plus en plus de femmes voilées, revêtues de hijab, de niqab ou d'abaya, dans les rues de nos villes ou de nos banlieues, les Français d'origine française commencent à se sentir mal. Ils ont l'impression qu'un droit fondamental qui est le leur est bafoué, à savoir non le droit à la laïcité, mais le droit à la continuité historique. Je pense qu'il est de notre responsabilité à tous de veiller sur le respect et la perpétuation de ce droit. Alors avant que Brice Couturier et Gil Michaeli poursuivent le questionnement que nous entamons à l'instant, Alain Finkielkraut, un mot encore. Vous avez été victime en février d'une agression antisémite caractérisée. Je ne rappelle pas les injures dont vous avez été victime en marge d'un cortège des Gilets jaunes, mais c'est incontestable. Et le président de la République a pris l'initiative de vous téléphoner, d'ailleurs assez longuement. Et vous avez raconté, notamment dans un entretien récent donné à l'Obs, qu'il vous a tenu des propos qui manifestaient, disons, sa lucidité un peu angoissée sur la montée de l'islamisme dans la société française. Donc on ne peut pas prendre Macron en défaut de lucidité sur ce thème. Non, mais on ne peut pas le prendre en défaut de lucidité, mais Macron, c'est un artiste dû en même temps.
Il est vrai que son discours a changé. Emmanuel Macron était un bébé Attali. Il a participé aux travaux de la commission pour la libération de la croissance française en 2008. Et cette commission préconisait, entre autres mesures ébouriffantes, une ouverture large des frontières pour plus d'immigration, parce que l'immigration, disait le rapport, est un facteur de croissance. Et il n'est pas en train de devenir un peu un bébé Finkielkraut, sans non, dire. Sûrement pas, mais c'est un homme qui a des informations de première main, c'est un homme extrêmement intelligent, son intelligence s'adapte, sa vision purement économique du monde ne fonctionne plus, il a décidé, en effet, de réagir et de penser autrement. Il n'en reste pas moins que la question de la continuité historique de la France est posée aujourd'hui, elle est posée à nous tous, et nous tous devons être capables de prendre en charge ce droit. La France doit pouvoir persévérer dans son être et donner cette chance aux musulmanes de précisément s'émanciper du voile, sortir de l'envoilement. Le voile couvre la chevelure parce que la chevelure, c'est en quelque sorte la porte du diable. Il y a là une diabolisation du corps féminin dont qui témoigne justement d'un étrange rapport à la sexualité en terre d'islam, un rapport fondé plutôt sur le refoulement, alors que dans la civilisation chrétienne, qui commençait assez mal d'ailleurs, avec ce que disaient les pères de l'Église, on a choisi plutôt la civilisation du désir que le refoulement du désir. Et je crois qu'une grande part de la violence dans le monde arabo-islamique vient de ce refoulement. Donc il y a là, pour les musulmans et pour les Français de vieille souche, comme on n'ose plus dire, eh bien un enjeu absolument capital. Brice Couturier. Je ne voudrais pas qu'on reste trop longtemps sur l'actualité, parce que vous savez, les hommes politiques passent et les philosophes restent. Je voudrais qu'on vienne assez vite quand même à l'étude du dernier livre d'Alain Finkielkraut. Bien parce sûr. Que précisément, il y est beaucoup question de continuité historique et de ce droit à la continuité historique qui a été posé notamment par Ortega y Gasset, qui disait que c'était un des premiers des droits de l'homme, ce qu'on oublie assez souvent aujourd'hui. J'ai remarqué, Alain Finkielkraut, parce que je vous lis depuis longtemps, que de plus en plus vous identifiez l'identité française, vous la caractérisiez à travers la langue. C'est sans doute ce qui vous a amené à l'Académie française précisément, puisqu'elle en est le gardien. Quoi d'autre que la langue, que la littérature, que l'étude des classiques dont vous déplorez à juste cause depuis longtemps leur disparition du cursus scolaire, à quoi donc identifiez-vous l'identité française en dehors de cette langue et de cette littérature? C'est quoi pour vous l'identité française? Alors c'est évidemment très difficile à dire. Il faut se méfier de ce que le terme d'identité a de fixiste. Je ne suis pas barétien. Je ne crois pas qu'il y ait une continuité absolue, si vous voulez, d'une génération à l'autre. Je pense que c'est un certain arrangement des choses, comme le disait Saint-Exupéry, c'est une civilisation. Et nous avons la chance d'avoir pour identité une certaine forme de civilisation, une manière d'être, un style de vie, des monuments, vous dites, des places, reprises, des œuvres. Et évidemment, je suis très sensible à la définition de Mona Ozouf, qui dit la France patrie littéraire, ce qui était admis dans toute l'Europe, notamment par le célèbre linguiste Ernst Cursus. Je ne sais pas si on disait linguiste à l'époque, mais oui, romaniste, c'était un, ouais. Ernst Cursus, qui en 1925 reconnaissait que la France justement s'identifiait d'abord à la littérature, et disait-elle aussi, Mona Ozouf, c'est une patrie féminine. La France, pays des femmes, reconnaissait David Hume dès le XVIIIe siècle. C'était ce qui frappait les voyageurs étrangers. Une certaine idée de la galanterie, la présence des femmes à tous les étages de la vie collective. Et cela, à mon avis, doit être préservé, maintenu, à la fois d'ailleurs contre, un type de civilisation qui règle autrement la question du rapport entre les sexes, qui le règle par la séparation, voire par la subordination, et à la fois aussi contre une certaine idée de l'égalité
qui se répand en Occident, qui nous vient d'Amérique, au nom de laquelle, si vous voulez, tout égard même du masculin pour le féminin relève d'une stratégie de domination et donc doit être dénoncée comme un avatar du sexisme. Vous dites quelque chose comme le fait que l'émancipation individuelle, vous attaquez quelque part, vous êtes démocrate, hein, vous voulez que la démocratie persiste, mais vous méfiez, comme Tocqueville, tout à fait dans cette lignée, de la propension de la démocratie à devenir une forme de société et à viser une égalité sans fin, une égalité qui, en fait, on n'atteint jamais nulle part, évidemment, dans aucune forme de société. Vous appelez ça le mauvais côté de la démocratie, celui qui refuse les assignations, notamment sexuelles, et vous dites que c'est devenu une tyrannie, que c'est une espèce de, enfin je traduis, hein, une espèce de, c'est pas vos mots, c'est les miens, un despotisme des minorités exigeantes qui sont promptes, et on vient de le voir avec l'affaire Agacinski, à censurer, à interdire, et qui est animé par une forme de ressentiment. C'est quelque chose qui nous vient largement des campus nord-américains. Le mouvement No Platform a sévi depuis déjà longtemps aux États-Unis, maintenant il sévit également en Grande-Bretagne. Vous en êtes victime à votre tour aujourd'hui, maintenant c'est Madame Agacinski. On remarque d'ailleurs que de plus en plus, c'est une forme de stratégie du saucisson, parce qu'au début on a censuré les gens qui étaient de droite, d'extrême droite, puis les gens qui étaient de droite, maintenant les gens de gauche qui ne sont pas dans la bonne gauche. On se demande d'où ça va s'arrêter. Mais je pense que ça ne s'arrêtera pas. Alors, il y a plusieurs angles pour vous répondre, mais restons-en à la question du mouvement démocratique, mouvement vers l'égalisation des conditions, dit Tocqueville. Eh bien, si la démocratie est un mouvement, à ce moment-là, elle n'est plus une scène, elle n'est plus un espace de délibération. Il y a ceux qui sont à l'avant-garde de ce mouvement, ceux qui l'incarnent, et il y a les autres, les obstacles à l'émancipation générale, et on les considère même comme des vestiges ou des déchets. Je suis très attentif, pour des raisons personnelles, mais pas seulement, à l'inflation du mot de réactionnaire aujourd'hui. Le réactionnaire n'est pas un vivant de plein droit. C'est le survivant déplorable d'un monde condamné. Qu'est-ce qu'il fait là? Il existe après sa date de péremption. Alors qu'il dégage, qu'il dégage. On ne parle pas avec lui. Et donc d'ailleurs, la conséquence, c'est les listes noires que nombre de magazines ne cessent de dresser. Et à l'université, c'est l'interdiction de parler à un certain nombre de gens qui ne vont pas dans le sens de cette émancipation générale. Il faut rétablir de toute urgence le sens originel de la démocratie, sinon on va créer un fanatisme démocratique, un opium des intellectuels démocratiques qui, si vous voulez, n'aura rien à envier à ce qu'était autrefois le communisme. Alors, Alain Finkielkraut, on est avec vous pour combattre cet opium des intellectuels 2.0, renouvelé en quelque sorte, que vous pointez, dont vous pointez les dangers. Mais quand même un mot, avant que Guil poursuive le questionnement. On s'interroge sur la spécificité, la singularité de la France, comme culture, comme civilisation. Me revient à l'esprit, à l'instant, un mot de Léon Brunschvig, dans son livre sur Montaigne, lecteur de Pascal. Pascal, lecteur de Montaigne, pardon. Il dit, à un moment, la France éternellement sera en état de dialogue. Est-ce que aujourd'hui vous faites vôtre cette définition-là de la francité? Ah oui, je la fais mienne. Donc je veux dire, la France est fragile, si vous voulez. Et le patriotisme qui me lie à la France, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est un patriotisme de compassion au sens de Simone Veil, c'est-à-dire la tendresse pour une chose fragile, précieuse et périssable. Tout peut arriver. Le dialogue est très mal en point aujourd'hui. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que France, patrie littéraire, oui, mais les autres pays, les autres nations ont toujours un écrivain pour les représenter. L'Espagne a Cervantes, la Russie a Pushkin, l'Allemagne a Goethe. Les Français sont embêtés par le trop-plein, peut-être, mais surtout parce que spontanément, ça va par deux. Si vous voulez, il y a un dialogue Montaigne-Pascal, il y a évidemment la célèbre opposition Voltaire-Rousseau. Et Voltaire-Rousseau, mais avant Corneille et Racine. Ouais. Il y a Hugo et Lamartine. Récemment encore, si vous voulez, la deuxième moitié du XXe siècle, c'était l'opposition Sartre-Camus. Et Régis Debray, dans un très beau livre d'ailleurs récent, choisit Hugo contre Stendhal. Oui, voilà, mais il en choisit un. Il en choisit un. Et je lui ai répondu, moi, évidemment, si je devais en choisir un, peut-être choisirais-je Marivaux
Rochefort ou La Fontaine, mais je dis qu'en France, ça va plutôt par deux. C'est un pays justement fondé sur cette espèce de dualité intime. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de cette accusation de réactionnaire, de réactionnisme. Et j'avais l'impression que ça vous attend particulièrement. Et c'est en fait le premier paragraphe du livre, vous expliquez, j'ai écrit parce que ça me gêne, ça m'attend. Pourquoi ? J'imagine que vous êtes traité de plein de choses et ça vous me fait ni chaud ni froid. Ah non, non, je suis traité de deux choses, faut pas exagérer. Je suis soit réactionnaire, soit raciste. Soit sioniste. Oui, sioniste, donc raciste. Soit raciste, et raciste, c'est pire. Parce que même, je pense à l'accusation de cette juif. Je le dis dans le livre, c'est moralement ignoble. Mais si, en tant que juif, vous êtes accusé de ça raciste, c'est ignoblement moral. Et c'est cette ignominie morale que je suis en quelque sorte sans cesse renvoyé ou acculé. C'est en effet absolument atroce, parce que celui qui vous parle ainsi, il est inculpabilisable. Celui qui vous dit ça de juif, vous pouvez quand même le renvoyer aux horreurs qu'une telle injure a pu provoquer. Celui qui vous dit ça raciste, il s'adosse à la mémoire de toutes les erreurs pour vous dire que le pays que vous aimez est en train de les reconduire à son tour. Et que donc, c'est lui les juifs. Et voilà. Et donc que les Palestiniens aient le juif. Mais réactionnaire, cela m'importe, mais pour les raisons que je viens d'exposer à Brice Couturier, parce que cela en dit long sur le climat dans lequel nous vivons et sur la nouvelle définition de la démocratie qui est en train de s'instaurer. Tocqueville l'avait décrit, mais il avait mis en garde. Il disait bien qu'il fallait modérer la démocratie en ce sens. Il n'oubliait pas les vertus de la délibération et surtout, il pensait que l'égalité pouvait être une vertu devenue folle. Chesterton parle des vertus chrétiennes devenues folles. La vertu démocratique qui est en train de devenir folle et de nous emporter vers le nihilisme, c'est précisément l'égalité. Alors Alain Finkielkraut, il y a plein de choses dans votre livre qui sont très belles et qui nourrissent aussi la réflexion sur notre présent, sur le vrai du réel, comme vous dites. Vous rappelez votre engagement, très important, aux côtés des dissidents. Vous êtes l'ami de Kundera depuis les années 80. Vous découvrez par son entremise qu'il y a une partie de l'Europe qui est l'Occident kidnappé, pour reprendre sa formule. Et vous devenez aussi un passeur, en fondant le message européen, de cette pensée de l'autre Europe, qui est une pensée qui a sans doute aujourd'hui quelque chose à nous dire sur l'essence de la démocratie et des périls qui la menacent. Et le livre est dédié à Kundera, d'ailleurs. Le livre est dédié à Kundera. Qu'est-ce que peuvent nous apprendre aujourd'hui comme limite les dissidents? Je ne sais pas si cette autre Europe a en quelque chose encore à nous dire, et je ne sais surtout pas si nous voulons l'entendre. Mm-hmm. Mais ce que Kundera m'a appris, c'est que l'opposition entre les deux Europes ne se réduisait pas à l'opposition totalitarisme-démocratie. C'est que l'Europe centrale et orientale était en effet assujettie à une autre civilisation. La civilisation russo-soviétique, aussi russe que soviétique. Et j'ai découvert le mot d'identité au sens où j'essaye de l'employer, qui n'est pas le sens barycien, dans l'article de Kundera, auquel je me réfère souvent et peut-être trop souvent, un Occident kidnappé, la tragédie d'Europe centrale. Il parle de l'occidentalité, fragile tout d'un coup, kidnappée, vous vous rendez compte, et de la nation, l'appartenance nationale, comme deux identités menacées. Et c'est cela, c'est-à-dire que nous vivions dans l'ennui et l'évidence de la construction européenne. Et tout d'un coup, il y a ces gens qui nous disent, oui, il y a la construction européenne, mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas seulement des innovateurs, nous sommes des héritiers, il y a une civilisation européenne, et peut-être avons-nous à la défendre. Eux, ils la défendaient contre cette espèce d'occupation dont ils étaient l'objet, mais peut-être nous devons-nous la défendre, à la fois face à l'extraordinaire changement démographique que l'Europe subit, et face à la tentation du nihilisme
et égalitaire qui conduit à vider l'Europe d'elle-même. Donc c'est lui, Kundera, qui m'a appris que l'Europe, que la France était la était une composante de la civilisation européenne et que de cette civilisation j'étais l'héritier et le débiteur. Et je crois que ma vision du monde a été profondément marquée par cela. Mais vous voyez bien que aujourd'hui on renvoie ces pays-là exclusivement au populisme, sans voir que peut-être même vis-à-vis de l'immigration massive dont l'Europe est l'objet, ils sont très attentifs à défendre l'Europe comme civilisation. C'est Jacques Rupni qui m'avait dit que un assistant, enfin un collaborateur de Václav Havel, hein, pas un populiste, lui avait dit qu'il ne voulait pas que Brno, la deuxième ville tchèque, devienne la Marseille de l'Europe centrale. Donc ça veut dire que la France, phare des nations, pour une partie de l'Europe, avec son évolution, est devenue un repoussoir. Réfléchissons à cela avant simplement de lancer des invectives contre une Europe en proie au populisme. Brice. Oui, en vivant longuement en Pologne, j'ai entendu exactement la même mise en garde de la part d'un de mes étudiants, qui est d'ailleurs devenu ensuite le responsable du droit d'asile en Pologne, et qui m'a dit « je ne veux pas que mon pays ressemble un jour à la France ». J'ai eu une grande discussion avec lui. Mais ce qui m'a frappé en lisant votre livre, que j'ai vraiment beaucoup aimé à la première personne, Alain Finkielkraut, c'est la façon dont vous procédez. Ça m'a rappelé évidemment les Confessions de Rousseau, c'est pas par hasard que c'est le premier article que vous avez publié, c'était sur les Confessions. Bêtise de Rousseau, hein, c'était en 1974, c'est ça, votre première particulier. Ça prend la forme effectivement d'une auto-justification et surtout d'une relecture rapide, très rapide, de votre propre production littéraire. Et ça m'a rappelé de ce point de vue-là les mémoires de Raymond Aron. Hein, Aron aussi, quand il écrit ses mémoires, il écrit l'histoire de ses publications et de la réception de ses publications et il les contextualise, ce que vous faites aussi. Alors ce qui m'a frappé beaucoup, moi, c'est l'extraordinaire continuité de l'œuvre d'Alain Finkielkraut. Je suis un grand lecteur de Finkielkraut, j'ai pratiquement lu tout ce qu'il a publié. En tout cas, j'ai tous ses œuvres dans ma bibliothèque. J'ai commencé par le premier, avec Pascal Bruckner, auquel vous rendez hommage, parce que c'est votre ami. Depuis le début, ce qui me frappe chez vous, c'est une méfiance envers l'injonction d'époque à se libérer. Vous êtes comme moi un enfant des 60s, mais moi je suis tombé dans la soupe et j'ai été un rebelle beaucoup trop longtemps. Vous, dès le début, vous avez compris ce qu'il y avait de moutonnier dans cette rébellion et vous lui avez résisté. C'est pour ça que dans un article que je vous avais consacré il y a une quinzaine d'années, je vous avais comparé précisément à Rousseau par rapport aux Lumières, parce que vous me paraissiez dans la même situation que on va le retrouver, c'est dans l'événement du jeudi, ça s'appelait oui. L'intellectuel indispensable. Exact. Quelle mémoire fantastique. Moi, je l'avais oublié. Et alors, c'est aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette même situation, toujours à contre-courant d'une époque qui toujours aspire à toujours plus de libération, d'émancipation, d'individualisation, de subjectivisation. Mais en fait, c'est ça qui est frappant chez vous, c'est la fantastique continuité. Presque tous les gens de notre génération, je ne vais pas donner des exemples parce que ça serait méchant pour beaucoup d'entre nous, ont écrit une chose et son contraire. Vous, jamais. Alors, est-ce que c'est ça que vous... Quand, vous savez, vous parliez des Européens d'Europe centrale, je pensais à Erling Grudzinski qui fait cette fameuse phrase, oui, que j'abrève, qui dit « Quand on se retourne sur son chemin, on se demande s'il y a une continuité dans sa vie. » Est-ce que vous avez le sentiment d'une grande continuité dans votre pensée? En tout cas, cette continuité, vous m'avez aidé à la découvrir. Je crois qu'il y a eu des infléchissements. J'étais, si vous voulez, installé un peu dans la philosophie des Lumières. Et je crois que la modernité est faite du dialogue entre le romantisme et les Lumières. Et maintenant, ce dialogue conflictuel m'habite. J'ai mieux compris, justement, ce que nous devions à l'idée d'appartenance, à l'idée d'un certain enracinement, une inscription de l'homme dans le monde, la langue, etc. Donc, voilà, j'ai découvert un peu la finitude. Mais peut-être, en effet, avez-vous raison, peut-être ai-je très vite tenté de résister à cette injonction perpétuelle qui est celle de se libérer, donc de se délier. Et je suis sensible, notamment aujourd'hui, à la pensée de Hannah Arendt, qui fait du ressentiment contre le donné une des composantes essentielles de la modernité, et qui plaide pour une conversion
justement, du ressentiment en gratitude. Et je crois précisément que nous avons besoin aujourd'hui d'un peu de gratitude. Et par exemple, le genre, c'est vraiment le ressentiment contre le donné. Je suis né ceci ou cela, peu importe, c'est ma volonté qui doit prévaloir. Mais cela peut nous mener, me semble-t-il, à un véritable désastre, au désastre du tout est permis, du tout est possible. De l'indifférencié. Et la question que je me pose aujourd'hui et que j'essaierai de me poser si j'ai encore la force d'écrire, c'est celle du nihilisme vers lequel nous avançons. Alors justement, le nihilisme, avant que nous partions pour Israël, où on va retrouver après des questions qui vous sont chères, qui sont d'ailleurs traitées dans votre livre à la première personne, Alain Finkielkraut, un mot sur le nihilisme. Vous avez, je crois, vu les dernières déclarations, suivi les dernières déclarations et prestations télévisuelles du chroniqueur et journaliste Éric Zemmour. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il incarne, à sa manière, une résistance, disons, appropriée et légitime à ce nihilisme ? Non, je ne dirais pas ça. D'un autre côté, je ne suis pas de ceux qui plaident pour son bâillonnement, son éviction de l'espace public. Les journalistes, il fut une époque, défendaient pied à pied la liberté d'expression contre le contrôle étatique. Aujourd'hui, l'État est faible et ce sont des journalistes qui réclament toujours plus de censure, comme si le nouveau Big Brother devait surgir du monde médiatico-universel maintenant que l'État n'est plus en mesure et n'a plus le désir de l'incarner. Donc là-dessus, tout est clair. Je crois que la pensée d'Éric Zemmour a quelque chose d'inquiétant malgré tout, et je l'ai perçu cela lors de son dernier dialogue avec Bernard-Henri Lévy. C'était autour de la question kurde. Il a réhabilité également Pétain dans un second temps. Voilà. Oui, mais justement, tout ça vient... D'abord, je crois que contrairement à ce que dit le pauvre Gérard Noiriel, il est vraiment un historien misérable. Voilà, historien, oui. Il n'est pas du tout le disciple de Drummond, et cette manière de dire que tout ça pour dire que l'islamophobie d'aujourd'hui c'est la même chose de l'antisémitisme d'hier, c'est de faire l'impasse sur l'antisémitisme arabo-musulman d'aujourd'hui, donc tout ça est infâme. En revanche, il y a un lien entre Zemmour et Maurras, je pense à un lien qu'il assumerait. Ce que j'ai compris dans ce débat et dans sa manière d'aborder les questions de géopolitique, c'est que Zemmour se régale de son propre réalisme. Et j'ai pensé à ce moment-là au débat, au grand débat entre Maurras et Péguy au moment de l'affaire Dreyfus. Et surtout au moment où Péguy écrivait Notre jeunesse. Car dans Notre jeunesse, il dit, nous fûmes des héros, 1911, j'ai honte de rien, je ne m'excuse de rien, c'était très important ce que vous avez. Mais il dit, il y a des gens qui avaient une haute idée aussi de la France. Cela voulait, si vous voulez, désirait le salut temporel de la nation, du peuple et de la race. Que le conatus de la France se déploie librement, mais sans principe. Non, mais c'est surtout le salut temporel. Mmh. C'est-à-dire, il se disait, peut-être une injustice a-t-elle été commise, mais si on met l'armée sans dessus-dessous, ça va nous affaiblir à un moment où la France doit pouvoir se défendre. Et répondait Péguy, non, moi, je suis pour le salut éternel du peuple, de la nation et de la race, et la France pouvait se mettre en état de péché mortel. Il n'y a pas, pour Zemmour, de dimension transcendante. Il n'y a pas de dimension spirituelle. D'où il se met dans une situation tout à fait étrange. J'aime la France, et il nous ôte toute raison de l'aimer, puisqu'il l'aime comme pure force, comme pure puissance. Et d'ailleurs, je pense, et je le lui dirai si j'en ai l'occasion, que lui, au moment de l'affaire Dreyfus, aurait été, pour cette raison, anti-Dreyfusard. Alors, un de nos amis, on y reviendra juste après la coupure publicitaire, Sébastien Lapac, il dit le problème de Zemmour, c'est que la charité pour lui n'existe pas. Donc, je traduis en termes religieux ce que vous venez de dire. Oui, c'est-à-dire que, on peut trahir une alliance, tout ça n'a aucune importance, chaque nation poursuit ses intérêts, mais il a l'impression que tout le reste relève du droit de l'homisme. Ce qu'il a dit à Bernard-Henri Lévy. Voilà, il lui a dit, vous êtes Harry Potter. Vous êtes d'une sentimentalité ridicule, infantile, etc. Donc, il faut se méfier
du sentimentalisme, ça sans doute, mais il y a aussi une morale politique, une morale proprement politique, et que la politique ne doit surtout pas abandonner. Je pense à ce magnifique texte de Lévinas intitulé « Politique après ». Morave disait, lui, « Politique d'abord et politique seulement ». Politique après. Merci beaucoup Alain Finkielkraut. On se retrouve après une très courte pause publicitaire avec Brice Couturier, naturellement, et bien sûr, Guil Mikhaeli. On refait la semaine continue, toujours avec Alain Finkielkraut, accompagné bien sûr de Brice Couturier et de Guil Mikhaeli. On s'envole pour Jérusalem. Pascal Sonnenschein, bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour, alors comment ça se présente là en ce dimanche un peu... Toujours le balagan visiblement. Toujours le balagan et toujours deux hommes et deux visions d'Israël, mais peut-être pas ceux auxquels vous pensez. La presse israélienne, il y a quelques jours, a fait une large part dans ses colonnes à la disparition de deux personnalités de premier plan, le juge Meir Shamgar et le rav Nissim Karelitz. Outre leur âge, ils sont tous deux décédés à 94 ans, ils avaient en commun d'avoir été deux grandes figures du monde juridique, mais c'est à peu près tout ce qui les reliait. Meir Shamgar, qui fut procureur militaire général, conseiller juridique du gouvernement, puis président de la Cour suprême d'Israël, symbolisait le retour de la souveraineté politique et juridique de l'État d'Israël. Pour Shamgar, écrit Mordechai Kremnitzer dans Haaretz, le caractère juif de l'État d'Israël était une valeur suprême, mais qui ne devait pas le faire dévier d'une autre valeur suprême, son caractère démocratique. Ce double caractère juif et démocratique de l'État, poursuit Kremnitzer, a guidé le juge de la Cour suprême à fixer pour Israël la nécessité d'être une société exemplaire, fondée sur les droits de l'homme, la justice, la liberté et l'égalité des chances, rappelant ainsi les termes d'une de ses décisions. C'est le juge Shamgar qui avait, le premier, reconnu aux Palestiniens des territoires le droit de saisir la Cour suprême. Meir Shamgar était un disciple de Jabotinsky et pour lui, comme pour son maître à penser, la protection des droits individuels devait aller de pair avec le sionisme en ce qu'il portait de valeurs universelles. Un universalisme qui n'était pas celui du rav Nissim Karelitz, le neveu du Chazon Ish, fut l'une des plus grandes figures du monde ultra-orthodoxe lituanien. Et comme Meir Shamgar, le rav Karelitz s'est imposé comme un juriste d'exception. Ses décisions halakhiques faisaient autorité et la haute cour rabbinique qu'il avait fondée à Bnei Brak et qu'il a présidée durant plus de 40 ans rendait des jugements qui s'imposaient à tout le monde juif et parfois même à la Cour suprême d'Israël, quand elle a reconnu, par exemple, que les conversions au judaïsme prononcées par le tribunal du Rav Karelitz habilitaient leurs bénéficiaires à faire valoir leur droit à la citoyenneté israélienne, rappelle Gadi Deutsch dans Ma'ariv. Le juge et le possek furent les contemporains de deux univers parallèles qui cohabitent dans l'État d'Israël moderne. Même la couverture médiatique de leur disparition met en lumière ces différences, là où la presse orthodoxe rend hommage aux grands de sa génération, pour évoquer le Rav Karelitz. La presse séculière est plutôt fascinée par la foule compacte des juifs pieux qui ont suivi la dépouille du rabbin, contrastant avec le cortège ordonné des dirigeants de l'État venus s'incliner devant le cercueil du juge Shamgar, la fracture entre deux visions d'Israël et qui pourtant se nourrissent l'une de l'autre. Merci beaucoup Pascal et bonne semaine à vous. On vous retrouve bien sûr sur les ondes de Radio J dès demain. Au revoir Pascal. Oui, donc votre correspondante a parlé de deux illustres défunts et je vais parler de deux autres personnes, c'est Lieberman et Mandelblit, les deux personnes qui tiennent probablement les présents, c'est sûr, peut-être l'avenir proche d'Israël. Lieberman, qui est le faiseur des rois avec son parti, et Mandelblit, et qui pourrait être le couperet qui va raccourcir la vie politique de Netanyahu, ou bien c'est lui qui lui annonce qu'il a gagné au loto, que tout va bien et qu'il pourrait continuer sa carrière. Donc, cette situation, ça me fait penser à deux questions. D'abord, Alain Finkielkraut, je pense que vous avez eu des mots assez critiques vis-à-vis de la démocratie israélienne, peut-être trop démocratique. Au moment où en France, on parle de proportionnel, de un petit peu plus de démocratie parlementaire,
Quelle est votre position sur cette dimension de la question politique en Israël ? Alors, je n'ai pas dit que la démocratie était israélienne était trop démocratique. Vous avez dit hyper démocratique. C'est une hyper démocratie du fait justement de la proportionnelle intégrale, et on le voit bien, une majorité claire a du mal à s'établir, et ce sont parfois des petits groupes qui exercent une fonction de chantage sur les partis dominants, parce que il suffit qu'ils se retirent de la majorité au pouvoir pour que le gouvernement tombe. Et c'est d'ailleurs ce qui a, si vous voulez, provoqué un peu la chute de Benjamin Netanyahou, en dépit de ses succès réels sur la scène internationale. Un certain nombre de gens en Israël n'en pouvaient plus des empiétements confessionnels dans la vie de tous les jours. Et ça, ça venait de la place, effectivement, exorbitante, occupée par les partis orthodoxes et ultra-orthodoxes dans sa majorité. Donc, j'aimerais bien que un autre système se dégage pour que Israël soit confronté à tous les défis qui sont les siens, soit aujourd'hui un pays plus gouvernable. Mais en même temps, en France, quand le système est très gouvernable, mais où celui qui gagne gagne tout, est-ce que le fait qu'il n'est pas très représentatif ne grignote pas sur sa légitimité ? Et vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a des choix aujourd'hui entre différentes formes d'ingouvernabilité. Le président Macron n'est pas considéré comme légitime. Il y a maintenant des... Par une frange, heureusement, quand même pas majoritaire des Français. Et non, si, justement, pas légitime, non, mais on nous explique que 63% des Français sont mécontents. Et donc, si 63% des Français sont mécontents, on se dit que la grève et les manifestations du 5 décembre vont prendre des proportions énormes. Emmanuel Macron a déçu, et en matière de pouvoir d'achat notamment, et on a envie de dire que n'importe quel chef d'État aurait déçu comme lui. Donc on se demande aussi profondément si la France est aujourd'hui un pays gouvernable. Mais Israël semble aller aujourd'hui de crise en crise. Simplement, ce n'est pas le seul problème. L'autre problème, c'est que la question palestinienne a été mise sous le boisseau, dans la mesure où on sait très bien que l'autorité palestinienne n'est pas en état de prendre en charge l'indépendance qu'elle recherche, que finalement les choses ne vont pas si mal. Donc on oublie question palestinienne, et personne ne devrait l'oublier, parce que si vous voulez, si on continue sur la voie tracée par Netanyahou, on a le choix entre un régime qui se rapprochera d'un régime d'apartheid, ou un État où les Juifs seraient minoritaires, c'est-à-dire la destruction, l'autodestruction du sionisme. Mais vous n'ignorez pas, Alain Finkielkraut, qu'il y a un plan qui est sans doute caressé d'ailleurs par Netanyahou, mais qui sera éventuellement d'ailleurs repris par Benny Gantz s'il lui succède. Ce plan, c'est au fond une nouvelle résolution régionale, c'est peut-être utopique, hein, mais du problème israélo-arabe, par les nouvelles alliances sunnites que l'État d'Israël tisse plus ou moins discrètement, notamment avec les Émirats et l'Arabie saoudite. Oui, mais c'est une donne importante. Oui, c'est une donne importante. C'est une donne très importante. Mais c'est une donne importante, et c'est sans doute apporté au crédit de Netanyahou, mais il n'empêche, ça ne résout pas la question de la palestinienne et celle de la restitution nécessaire d'un nombre important de territoires. Oui, mais sauf qu'Israël se sent moins isolé au sein de la région. Oui, d'où ? Voilà. Mais c'est parce qu'Israël se sent moins isolé qu'on peut reporter sine die la question palestinienne. Alors peut-être que la vraie solution serait à un moment donné quand même une confédération jordano-palestinienne, mais la solution intermédiaire, elle est portée par les Commanders for Security, dont j'ai eu l'occasion d'ailleurs de parler avec Guy Mikhaïli, 243 généraux à la retraite, du Mossad, du Shin Bet, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, qui plaident, et c'est ça qui est très intéressant, pour un gouvernement de séparation nationale. Ils disent pas on va faire la paix, on va créer un État palestinien, ils disent la séparation s'impose. C'était exactement le propos de Talmon, le grand historien Talmon, dans une lettre à Begin de 1981.
Et ils disaient, peut-être, bah oui, il y a un moment, pour faire la paix, il faut séparer les peuples. Et ils disent qu'en termes sécuritaires, ce serait bon pour Israël que d'aller vers cette séparation. Et vous regrettez qu'au fil des années, l'idée annexionniste, hein, c'est-à-dire on annexe progressivement la Judée et la Samarie, l'ait emportée dans le consensus politique israélien. Je ne sais pas si elle l'a emportée dans le consensus politique israélien. Les Palestiniens ont tout fait pour affaiblir le camp de la paix. Quand Israël s'est retiré du Liban, Israël, on a eu le Hezbollah. Quand Israël s'est retiré de Gaza, on a eu le Hamas. Donc le retrait de Cisjordanie, si vous voulez, n'est pas très tentant, n'est pas très excitant pour les Israéliens. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut remettre absolument la question sur le tapis. Cette espèce de si vous voulez, le statu quo n'est pas un statu quo. C'est un pourrissement de la situation. Et nous devons en avoir conscience avec les Israéliens eux-mêmes, non pas pour répéter sans cesse Shalom Arshav, parce que Shalom Arshav, depuis 40 ans, ce pauvre Arshav, c'est un vieil arthritique. C'est un Arshav arthritique. Oui, qui va bientôt prendre sa retraite. Donc, non, mais pour dire, avec ces commanders for security, un gouvernement de séparation nationale s'impose, et je crois que Benny Gantz est en relation avec eux. Ils n'osent pas trop, si vous voulez, formuler leurs revendications ou leurs objectifs pour ne pas effrayer une partie de son électorat, mais c'est plutôt la sensibilité qui l'anime. Et c'est très intéressant, parce que Shalom Arshav, on pouvait l'accuser d'angélisme. C'est une gauche qui ne connaît pas la réalité. Mais des généraux du Mossad, ou du Shin Bet, ou de l'armée, cette accusation ne fonctionne pas. Ce sont des pragmatiques. Alors écoutons ce pragmatisme qui me semble, à mon avis, mieux fondé que celui de Netanyahou. Brice Couturier. J'aimerais m'écarter un peu de l'actualité politique israélienne contemporaine pour parler de la question d'Israël de manière plus générale et de l'antisémitisme. Depuis très longtemps, Alain Finkielkraut, vous nous expliquez une chose assez intéressante. L'antisémitisme d'avant-guerre, on reprochait aux Juifs d'être les agents de la modernité, de la détérioralisation, de l'émancipation et de l'absence de racines. Maintenant, depuis que l'État d'Israël existe, on leur reproche le contraire. Voilà. À une époque où vous nous le dites de livre en livre, nous sommes tous appelés à devenir des touristes planétaires, il y a un État qui, lui, essaye de revendiquer une identité juive. Est-ce que c'est pas à contre-temps, alors? Qu'est-ce qui se passe du côté de cet antisémitisme nouveau qui voudrait que les Juifs, comme les autres, abandonnent leur identité et deviennent des voyageurs sans bagages? Ou des parangons du siècle juif, comme dit Yoris Leskine. Oui, hein. Finalement, les Juifs, leur problème, c'est qu'ils sont toujours anachroniques. Ils sont à contre-temps. Et j'ai été très frappé par un article de Tony Judt sur l'anachronisme d'Israël. Il était paru dans Le Débat en 2004. Il disait, voilà, on vit l'époque du grand mélange, etc. Et voilà, ces Juifs qui veulent rester Juifs et qui veulent en plus installer un État juif. Mais pourquoi? Israël est anachronique. Et Yuri Zletkin a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, un peu moins en France, L'âge des Juifs. Il disait, voilà, c'est tout le monde devient aujourd'hui urbain, flexible, mobile, mercurien, du dieu Mercure, Hermès, etc. Et donc devient juif, parce que les Juifs, c'était ça. Et les Juifs, eux, ils deviennent apolliniens, c'est-à-dire ils s'installent. Tout le monde ne va pas vivre en Israël, mais tous les Juifs sont attachés à Israël, ont le souci d'Israël, quelquefois pour critiquer sa politique, d'autres fois pour approuver sa politique, mais le souci d'Israël est au cœur de l'existence juive aujourd'hui. Et donc je lis Zetkin et je me dis, c'est extraordinaire. Le grand problème de notre temps, c'est que tout le monde est juif, sauf les Juifs. Et quelle est la part, Alain Finkielkraut, soyons clairs, sur Radio J, quelle est la part que prend ce nomadisme planétaire, ce plaidoyer pour le nomadisme, dans le réveil et aussi la réactualisation de l'antisémitisme? Bah, une part, si vous voulez. Oui, ça prend une part, parce que c'est lié aussi à une certaine modalité de la mémoire. Nous sommes des hommes de mémoire. Malheureusement, il n'y a de mémoire autorisée aujourd'hui que la mémoire du crime. Mais de ce crime, on déduit que c'est justement l'attachement des Européens à leur identité ethnique ou territoriale qui les a menés au pire.
Donc, le hors-sol s'impose en quelque sorte comme un objectif et même comme une évidence pour tenir, tenir compte de ce qui s'est passé, pour tirer toutes les leçons de la mémoire. Et on vous explique, ben, les Juifs, c'est ceux qui n'ont tiré aucune leçon de la Shoah. Et alors certains vont encore plus loin et disent, c'est bien pour ça qu'il y a une récidive juive de l'Holocauste en Palestine. Et voilà où, voilà en effet, la tournure paradoxale prise par l'antisémitisme contemporain. Alain Finkielkraut, Brice Couturier, Guil Mikhaeli, on se retrouve juste après une nouvelle courte pause publicitaire. Fait la semaine continue, toujours avec vous, cher Alain Finkielkraut. Vous venez notamment nous parler, bien sûr, de votre livre à la première personne, en compagnie des journalistes Brice Couturier et Guil Mikhaeli. Merci évidemment à tous les deux de poursuivre le questionnement avec vous. Alors, on parlait à l'instant d'Israël. On peut peut-être revenir au livre un instant. Vous racontez que vous pensiez, au début des années 80, après avoir écrit Le Juif imaginaire, que vous en aviez définitivement fini avec la question juive. Et vous découvrez que la question juive n'en a pas fini avec vous. Elle vous prend au collet, en quelque sorte, avec la flambée de négationnisme qui, notamment évidemment à la suite des travaux, de la diffusion des travaux de Forisson, qui alors est un virus qui sévit dans les extrêmes gauches européennes. Un certain nombre de gens qui sont d'extrême gauche font le pont entre leur marxisme et le forissonisme. Et là, vous comprenez que vous n'en aurez peut-être jamais fini de toute votre existence avec l'exploration et l'élucidation de la question juive. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais terminé Le Juif imaginaire. J'avais tenté de faire surgir une autre catégorie que celle de Sartre, qui partageait justement le monde juif entre le juif authentique qui assumait sa condition et le juif inauthentique qui essayait de la fuir. Je disais, mais moi, je suis toujours pris par un juif authentique, et en même temps, je jouais un rôle. Il y avait une part de comédie. Une part de comédie, puisque je m'emparais d'un malheur qui n'était pas le mien, dont j'étais protégé, justement, par sa proximité, en quelque sorte. Donc, j'ai voulu jouer carte sur table, parce que ce moi n'était pas seulement moi. C'était le moi de toute une génération, de ce qu'on a appelé les baby boomers. Et une fois ce terrain déplié, je me suis dit, je vais passer à autre chose, ou à rien, parce que chaque fois que j'ai fini un livre, je pense que j'aurai droit au rien. Mais très vite, en effet, j'ai reçu un tract, on m'a tendu un tract, rue Saint-André-Zard, où j'habitais, et c'était un tract négationniste, et ce qui m'a évidemment frappé, c'est qu'il ne venait pas de l'extrême droite. C'était pas Maurice Bardèche ou ses émules qui disaient « on calomnie Hitler ». C'est un type très bien, les juifs posaient un problème et on n'a pas voulu le régler comme ça. Non, c'était l'ultra-gauche. L'ultra-gauche parce que, effectivement, ça n'entrait pas dans une certaine logique de l'histoire. On n'imaginait pas que le capitalisme, noir du capitalisme, c'est l'exploitation. On n'allait pas exterminer une force de travail, en plus en pleine guerre, donc ça n'avait pas eu lieu. Alors, de fil en aiguille, j'ai essayé de réfléchir à la raison d'être de ce négationnisme et j'ai pris acte du fait que on n'en avait pas fini aujourd'hui avec l'antisémitisme en raison de l'existence d'Israël, et donc on a reproché aux Juifs d'inventer la Shoah. Premier reproche, invention de la Shoah. Mais deuxième reproche, instrumentalisation de la Shoah, Shoah business. Vous vous servez de l'Holocauste, vous servez de ces événements abominables pour racketter la terre entière et pour faire admettre les exactions d'Israël. Et c'est un livre de Finkelstein, Normal Finkelstein, publié à la Fabrique avec une préface de René Broman. Et puis ensuite, et troisième reproche... C'était plus facile ou c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 40 ans de défendre Israël face à cette rhétorique, à cette grammaire d'accusation? Alors donc, il y a instrumentalisation de la Shoah, invention de la Shoah, réédition de la Shoah. Ça, c'est les formes extrêmes, disons. C'est Sarah Mago, prix voilà. Nobel de littérature, qui vous dit il y a un nouvel holocauste contre les Palestiniens. Donc tout ça est effectivement terrible. Et quand vous écrivez la réprouvation d'Israël en 1982, si vous comparez avec le contexte d'aujourd'hui, c'était en quelque sorte plus difficile de défendre Israël contre la doxa, ou c'est aujourd'hui encore plus difficile? Je ne dirais pas. Ce qui est très c'est drôle... C'est difficile de proportionner. Non, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui vous disent encore, c'est une question qui m'a été posée,
peut-on critiquer Israël? C'est extrêmement drôle, parce que on a envie de renvoyer la question, de dire, peut-on ne pas critiquer Israël aujourd'hui dans les médias? Même moi, c'est-à-dire, évidemment, je suis inquiet de la dérive de la politique israélienne, et je suis très sensible à ce qu'a dit Amos Oz, le gouvernement de Netanyahou est le plus anti-sioniste de l'histoire d'Israël, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Le sionisme, c'est une majorité juive, et il faut que les juifs restent majoritaires, donc qu'il y ait un gouvernement de séparation nationale. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il faut que je dise ça en préalable pour être entendu. Parce que si je me mettais tout de suite à dire à quel point j'aime Israël, à quel point je veux défendre, parce que ce pays est un véritable miracle, et c'est vrai, c'est un miracle, alors là, personne ne m'entendrait. D'ailleurs, beaucoup de gens oublient que vous êtes plutôt un soutien de la gauche israélienne. Voilà. Beaucoup de gens l'oublient. Mais j'ai pas tellement envie de le rappeler tout le temps, parce que je n'ai jamais aimé montrer patte blanche. Donc, l'antisémitisme islamo-gauchiste, si vous voulez, est minoritaire, mais il y a, si vous voulez, une hostilité à Israël qui s'est répandue dans les médias et qui est inquiétante parce qu'elle vise moins l'occupation que la nature de cet État que l'on comprend de moins en moins. État juif, État ethnique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une délégitimation sourde d'Israël est à l'œuvre, qu'il faut combattre, et c'est nécessaire, répétitif et pénible. Brice. Oui, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, je vais vous citer Alain Finkielkraut dans L'Ingratitude. Vous écrivez d'Israël, le pays que j'ai tant aimé se scinde de plus en plus profondément entre laïcs américanisés et aveugles qui dansent. Donc on voit que vous n'êtes pas absolument dépourvu d'esprit critique quand il s'agit d'Israël, contrairement à ce qu'on lit souvent. Mais quand on parlait du gauchisme antisémite, je voudrais rappeler que en travaillant sur l'année 1969, je me suis aperçu de choses extravagantes qui sont totalement passées dans les livres d'histoire. C'est la dérive d'une grande partie de l'extrême gauche allemande de la fin des années 60 dans l'antisémitisme violent. Je rappelle que Dieter Kuzelmann, qui était le fondateur de la Commune 1, Ein, et le fondateur des Tupamaros de Berlin, avait déposé une bombe qui, par miracle, n'a pas explosé devant le centre communautaire juif en 1969. Je rappelle que Horst Mahler et un très grand nombre de fondateurs de l'extrême gauche et de personnalités imminentes de l'extrême gauche allemande de cette époque ont fini néo-nazis. Et on peut rappeler NTB, bien sûr. C'est pas nouveau. Le détournement et les assassinats dans le cadre d'NTB ont été applaudis par l'extrême gauche. Française et ont comprise. Été faits par des gauchistes allemands. Alors, mais c'est très intéressant parce que on a parlé et à juste titre de l'attentat de Halle en Allemagne contre une synagogue venue d'un néo-nazi. Et il y a eu plusieurs articles d'Alice Schwarzer, une féministe allemande. On dit souvent l'Elisabeth Badinter allemande. C'est épouvantable ce qui se passe, mais ne croyez pas qu'il faille cantonner l'antisémitisme à l'extrême droite. D'abord, dit-elle, l'AFD n'est pas suspect d'antisémitisme, ce qui est très courageux de sa part, parce qu'elle vient de la gauche, et elle est à gauche, et elle dit surtout que l'antisémitisme le plus virulent en Allemagne est islamiste, et que cette virulence libère l'antisémitisme néo-nazi. Ce qui est, et ses propos n'ont pas été vraiment répercutés en France, parce qu'ils ont une charge transgressive absolument incroyable. Oui. Alors, toute dernière question, on a une minute, malheureusement. Rapidement, c'est un petit peu personnel. Vous jouez un petit peu avec l'autobiographie, mais en même temps, c'est pas l'autobiographie. Donc, il y a un choix qui m'intéresse. Vous intéressez au réel, mais très tôt, vous choisissez plutôt la littérature et la philosophie, c'est-à-dire l'analyse du discours. Pourquoi pas l'histoire? Ah, parce que vous êtes historien. J'ai choisi la littérature et la philosophie, peut-être parce que j'ai pas de mémoire, et que pour être historien, il faut avoir une mémoire gigantesque, peut-être aussi parce que j'ai un amour fou de la littérature, et peut-être aussi parce que la philosophie, si vous voulez, c'est pas simplement l'analyse des discours, c'est une manière de définir justement les différentes époques. Mais peut-être ce que j'aime dans la philosophie, c'est ça, c'est que par elle, j'appréhende mieux mon propre temps. C'est notamment ce que m'a apporté la philosophie de Heidegger quand il parle de l'époque de la technique. Et cela, l'histoire
peut m'y aider, mais il y a un niveau de profondeur dans la philosophie auquel je suis particulièrement sensible. Eh bien, on vous remercie chaleureusement tous les trois. On a commencé cette conversation avec Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Macron. On la termine avec Martin Heidegger. Donc, on a, je crois, à peu près apporté toututes les nourritures spirituelles qu'attendaient nos auditeurs, on l'espère. Merci, un grand merci à Alain Finkielkraut. On va poursuivre, de toute façon, avec vous, ces conversations. On va les poursuivre aussi avec vous, Brice Couturier. Un grand merci à vous. On va les poursuivre aussi avec vous, Gil Mikhaeli. Un grand merci. On vous retrouve le mois prochain sur les antennes de Radio J, Alain Finkielkraut. Je rappelle je rappelle aussi, bien sûr, à la première personne aux éditions Gallimard.